Pourquoi? Voilà un mot important dans ta vie, puis dans la mienne aussi. Bonne journée, bonne nuit et bon début de semaine. Pourquoi mon père est mort si jeune? Pourquoi ma mère est morte si jeune? Pourquoi je suis venu au monde dans un pays pauvre, où il y a des gens très, très, très riches et puis nous, les pauvres, on n'a aucun droit. Pourquoi 38 départements en France en alerte rouge? Pourquoi en Ardèche? Inondation. Inondation. Quelqu'un disait, une dame disait, en 5 minutes, 1,60 m d'eau dans sa maison. 1,60 m d'eau. Tout est fini. Tout a pris l'eau. Les meubles, les... Un commerce, une pizzeria. Je ne sais pas si c'est... Je pense que la ville, c'est en Ardèche, mais c'est à Nonay. Ou Saint-Rémy, je ne sais pas. Mais on voyait une pizzeria qui était dans un sous-sol. Mais tout est fini. Tout est fini. Pourquoi tout à coup la Corée du Nord décide d'aller aider la Russie? Ce qui rend le conflit Russie-Ukraine un début de guerre un petit peu plus qu'on pourrait qualifier, comme il disait aux 20 heures, de début de guerre mondiale. Et pourquoi la Chine encercle la Taïwan? Est-ce qu'ils vont faire comme la Russie? Puis ils vont essayer de... Pourquoi j'ai mal? Pourquoi ma bouche se défait? Quelqu'un m'a appelé ma bouche. Nyeh. Il y a des questions qu'on peut répondre. On peut répondre. Il y a des réponses. Il y a des réponses. Pourquoi tout à coup tant d'eau sur la France? Pourquoi les cultivateurs voient leur récolte anéantie et cette année, ils ne pourront pas semer? Non. Pourquoi? Il y a des choses qu'on peut répondre. On répond. Il y a une dame qui me dit, vous avez ici, là, je ne sais pas quoi, êtes-vous fatigué, monsieur Lacroix? Je sais pas qu'est-ce que j'ai ici, là. Ça dépend de l'éclairage, des fois, je ne sais pas. Pourquoi? La réponse est simple. Je vieillis, madame. Je vais avoir au printemps 77 ans. Point la ligne. Voilà, je vieillis. Et quand on vieillit, ben, ça ratatine, puis ça fait des plaques. Puis je fais toujours d'affaires comme ça. Hein? C'est ça. C'est ça. Ça vieillit. Les planches tordent. Hein? Moi, j'accepte ça. Hein? Je veux dire, je regarde les influenceurs en France et tous les jeunes, puis tout ça, le Mathéo, puis d'autres que je regarde qui ont des sites. Et c'est jeune, c'est beau, monsieur Prof, ou je sais pas quoi, ou d'autres. Ils paraissent bien sûr, la fille, la blonde, là. Oui, ben oui. C'est des belles, c'est des belles. Oui, mais quand ils vont avoir 77 ans, on verra. On verra. Mais la question, oui, là-dessus, il n'y a pas de pourquoi. Pourquoi je prends des pilules? C'est parce que je vieillis, puis avec des pilules, ça rééquilibre. Ben voyons, c'est ça, c'est ça. Pourquoi t'as mal? Ben, rhumatisme en vieillissant, puis la colonne, puis faut prendre du calcium, puis l'ostéoporose, les madames, puis les messieurs aussi, puis toutes sortes de choses. Mais il y a un grand pourquoi aussi qui peut se demander. Pourquoi le monde actuel est si... Ben, dérangé, le mot, c'est ça, c'est dérangé. Regardez le Nigeria avec aussi des inondations. D'autres pays, c'est la sécheresse. S'il pleut beaucoup une place ailleurs, il pleut pas. Hein? Ça va ensemble. Les courants marins, Gulf Stream. Ici au Canada, on a le Gulf Stream là, qui part du Sénégal, puis qui fait les Antilles, puis il revient vers la Floride, puis qui nous amène de l'air chaud. On a le courant arctique, puis l'autre qui arrive de l'ouest, du nord des États-Unis, tout ça.
qui peut amener de la chaleur. Bon, c'est pas trop mal, mais c'est sec. Donc, c'est des feux de forêt. Que l'hiver n'arrête même pas. Pourquoi la mort? Pourquoi les séparations? Pourquoi? Je prie ça depuis quelques jours, et juste avant de filmer, j'ai écouté le 20h à TV5, là, notre réseau français ici au Canada, que vous avez en Martinique, en Afrique et partout. Là. Le TV5, c'est dans 45 pays, hein, minimum. Pourquoi? Et puis, ben... qu'est-ce que Jésus répondrait? Ben, en tout cas, Pierre répond quelque chose. Il dit, mais après que vous aurez souffert un peu de temps. Bon, un peu de temps, c'est combien de temps? C'est une semaine? Ah, en Ardèche, il n'y a plus rien qu'une journée, puis ça a brisé 25 ans de vie. Puis à Saint-Rémy, ils ont eu 2 inondations en 2 semaines. Bon. Ouais. Après, vous aurez souffert un peu de temps. Aujourd'hui, je suis allé à la cérémonie funèbre d'un ami. Ouais. Nos enfants ont joué ensemble au hockey et puis on était... c'est mon deuxième voisin. Un homme extraordinaire. J'ai jamais vu autant... il y avait beaucoup de jeunes amis de ses enfants puis de ses petits-enfants. J'ai vu du monde pleurer, puis moi aussi. Oh, mon Dieu. Mon Dieu. Pourquoi un ou deux cancers? Pourquoi? Après que vous aurez souffert un peu de temps, prends le Nouveau Testament, prends ça en note. La première épître de Pierre, il y en a 2, c'est la première, chapitre 5, verset 10. Après que vous aurez souffert un peu de temps, pense à ta souffrance. Qu'elle soit physique, psychologique, familiale, légal, des problèmes devant la cour, puis voilà, des histoires d'enfants, monsieur et vous, bon. Après que vous aurez souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, là on parle de ton Père du ciel, le Dieu de toute grâce, ton Papa d'amour qui t'aime inconditionnellement, qui veut te donner toutes les grâces possibles, OK? Après que tu auras souffert un peu de temps, après, pas durant, des fois c'est après. Après. Après que tu auras souffert un peu de temps, le Dieu de toute grâce, là, un Dieu d'amour, un Dieu extraordinaire, qu'est-ce qu'il va faire? Ah, non, il dit qu'il vous a appelé à participer à sa gloire éternelle dans l'union avec Jésus. Après que tu auras souffert un peu de temps, tu te gardes en prière, tu lis la parole, ce que je t'ai dit, hein? La foi, la prière, méditation de la parole, des heures d'adoration, soutien de la communauté. Ouais. T'as mal, mais tu gardes le cap sur Jésus. Il va t'inviter, il va te donner des grâces parce que tu vas retrouver Jésus en toi qui t'a invité à participer à sa gloire éternelle. Attention! La souffrance, l'erreur, parce que ça peut être une erreur qui t'amène des douleurs. Tu as fait quelque chose qui n'était pas correct. C'est tout. Tu as trompé ta femme une fois, puis... c'est fini. Elle ne veut plus rien savoir. Tu souffres et elle souffre. Après que vous aurez souffert un peu de temps, que ce soit à cause des autres ou à cause de toi-même, OK? Ton Dieu d'amour, le Dieu de toute grâce, qui conduit au bonheur, qui t'invite à participer à la gloire, qui vous appelle à participer à la gloire éternelle dans l'union avec le Christ, après, là, te perfectionnera lui-même. Lui-même. Va t'affirmer, te rendre plus solide, te fortifiera.
et t'établira sur de solides fondations. À lui soit la puissance pour toujours. Amen. Ça, c'est 10 et 11 dans 1 Pierre 5, 10 et 11. C'est sûr qu'il y aura des solutions pour toutes ces rivières qui débordent en France. Ici, dans la province de Québec, il y a une vingtaine d'années, il y a eu ça, là, 110 mm de pluie en 24 heures. Les inondations, hein? Ouf! Les affaissements de terrain, des morts, des parties de villes qui sont parties dans la rivière Saguenay. C'est incroyable! On a fait beaucoup de béton, hein? Puis on a fait, ici au Québec, beaucoup de barrages électriques. Oui, oui. On a détourné, on a mis des digues, on a mis des tiens, patati, patata. Et quand je suis allé voir quelques mois après les dégâts, je voyais là. La rivière a repris son cours de nature. Comment Dieu l'a fait? On n'a pas respecté ça, on l'a détourné. Oup, là, on a mis un barrage électrique pour l'aluminium ou je ne sais pas quoi. Là. Puis hop, là, on a mis ça, puis on a mis ça. Je regardais tout le béton qui est sur le long de la vous appelez ça un fleuve, vous, dans l'Ardèche. Ben, ça a débordé. Quand on regarde les peintures du Gave dans le temps de Bernadette Soubirous, l'eau n'était pas haute parce que la rivière était très large. Mais maintenant, quand vous allez à Lourdes, chaque côté, là, c'est des murs de béton. Puis des fois, ça dépasse les murs de béton comme il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas longtemps. Là. Ouais. Oui. Puis des fois, ça fait sauter. Ça gonfle, ça rentre. Il y a des solutions scientifiques. Mais pendant ce temps-là, si on reste centré sur Dieu, écoute-moi, avec espérance, après que vous aurez souffert un peu de temps, si tu restes uni, tu ne souffres pas trop longtemps. Il y a une dame qui disait à la télévision française, qui a été inondée, elle dit « 32 amis sont venus m'aider à enlever l'eau et la boue de ma maison. » Ça venait de partout en France. J'ai vu aussi, dans le reportage, des jeunes qui, sur les réseaux sociaux, se sont dit « On s'en va, on se met des bottes, du vieux linge, puis on s'en va enlever la boue qui sort avec des chaudières en fil indienne. Tout le monde, là, on fait une file, là, puis on passe un gros saut de boue, ça doit être pesant. Chloum, 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 chloum. La fraternité. C'est beau. Après que vous aurez souffert un peu de temps, écoute-moi, là. Il y a une limite, puis il y a une fin. Ouais. Le Dieu de toute grâce, de toute bonté, change le mot grâce par chérissement. Il se donne à toi. À travers la souffrance, quand tu gardes la foi dans un Dieu de grâce, un Dieu de bonté, un Dieu d'amour, un Dieu de générosité, et puis que tu gardes la prière, tu focuses, tu prends le temps, ben, là, il t'invite à participer à la gloire de Jésus, la gloire éternelle, puis une gloire qui, dès maintenant, agit. Et ça va te rendre comment? Ça va te perfectionner dans l'amour, t'affermir, te fortifier, te perfectionner, et c'est fait par Dieu lui-même, vous perfectionnera lui-même. Lui-même sur de solides fondations. Perfectionnera lui-même. À lui soit la puissance pour toujours. L'épreuve est un moment, si on sait le vivre dans la foi. Écoute-moi. C'est sûr qu'on a des pourquoi, puis on cherche des coupables tout le temps. Mais Dieu se sert de nos pauvretés. De nos erreurs, de nos péchés. Oui.
J'irais jusqu'à dire que le péché, depuis la résurrection de Jésus, est obligé de te livrer le meilleur de Dieu. Dans la miséricorde, dans le pardon, tu reçois. Oui, tu as péché. Tu en payes le prix. Chaque fois qu'on pêche, le salaire du péché, c'est la mort, mais c'est la mort de quelque chose. Il y a quelque chose qui se brise. Chaque péché, juste un petit mensonge dans le couple, dans l'amitié, ça commence à détruire les fondations. Un petit mensonge, ça ne prend pas grand-chose. Ça détruit. Mais si tu reconnais ton péché, alors Dieu, et si ton péché fait mal, perdre un ami, c'est perdre beaucoup, c'est perdre un trésor. Quand tu demandes pardon et tu restes avec Jésus, dans ta pauvreté, puis ton humilité, alors lui-même te fortifie. Ouais, lui-même! Lui-même! C'est ça qui est extraordinaire. Il te prend et puis il t'offre une thérapie pour te rendre solide et plus que ça, je dirais charismatique et bénissant. Voilà, voilà. Alléluia! 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 Bon! On va tenir. Bravo. Merci, merci aux deux personnes qui ont fait un don. On est rendu à 60% de nos besoins pour le mois. On est rendu au 20. Il reste une dizaine de jours. Merci. Et je demande au Père, par Jésus, que le Saint-Esprit te souffle à l'oreille un petit soutien. Ce serait bien que le mois d'octobre se finance. Voilà. Ça rentre doucement ce mois-ci. Mais je comprends que les gens en France sont lourdement éprouvés. Puis en Martinique, c'est pas facile. Puis à La Réunion, c'est pas facile. Ouais. Mais, des fois, le Saint-Esprit dit, fais un geste, et puis, ça passe. Il y a des malades qui m'écoutent. Ouais. Il y a des gens qui supportent des gens malades. Ouais. Qui souffrent. Beaucoup. Des fois, des vieux qui sont démentiels, doucement. Vous gardez à la maison, oui, ouf, ou qui sont dans des institutions, et ça vous fait mal au cœur. Moi, j'ai envie de prier pour tous ceux qui souffrent vraiment maintenant. Amen. Ben, baisse ta tête, ferme tes yeux. À travers cette caméra-là, Seigneur, il y a des personnes, il y a toi qui es là. C'est peut-être ton fils, c'est peut-être ton père, ta mère. C'est peut-être un deuil, c'est peut-être un problème en cours, c'est peut-être vers qui les enfants vont aller. Il y a des guerres depuis votre séparation, il y a des histoires, de l'infidélité, de l'avarice, de la violence, de la méchanceté. Peu importe. Père, pour mon ami qui écoute, par Jésus-Christ ton Fils, je te demande que la gloire éternelle du Père, ta gloire, vienne toucher, consoler, guérir, 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 guérir. Sois guéri dans l'amour de ton Papa du ciel. Sois guéri, apaisé, que la tempête dans ton cœur, tes émotions, ta tête s'apaise. Maintenant, allez, arrête! Au nom de Jésus, que le calme arrive, que la sérénité revienne, que la paix revienne, que la fortification se fasse de ton être intérieur et émotionnel. Père, je réclame ta victoire, ta puissante victoire dans mon ami. Maintenant, il y a quelqu'un qui ne pouvait pas vraiment bouger son bras comme ça. Problème de nerfs. Essaie, tu es guéri. Tu es guéri. Regarde-moi, ouvre les yeux. Si tu as mal à un bras, épaule, comme ça, bouge ta tête. Le Seigneur guérit des nerfs, colonne vertébrale et débloque quelqu'un qui a des problèmes aux reins. Merci, merci, merci. Et fait fondre un cancer. Merci, merci, Seigneur. Il y a l'enfant d'une dame là qui est malade. Eh bien, la guérison se rend.
Les anges de Dieu vont prier sur ton fils ou ta fille. Maintenant. Et d'ici Noël, tu auras de belles nouvelles. Glorieuses nouvelles. Alléluia. Samakanta yekono pona. Quelqu'un supporte quelqu'un qui est mourant. Eh bien, il va passer bientôt. Pour le ciel. Pour le ciel. Amen. Amen, amen, amen. 20 minutes, voilà. On essaie de se tenir à ça. Merci de votre générosité. Merci de mettre un petit like, vous abonner. J'ai hâte qu'on atteigne le 8000 abonnés. Oui, oui, oui. Un petit like, un pouce en l'air. Abonnez-vous. Laissez un commentaire. Une intention de prière, quelque chose. Chut, en dessous. Marquez-le, je ne suis pas seul. Je vis mon épreuve avec Jésus. Voilà. Je garde confiance. Je garde confiance. Votre témoignage va aider quelqu'un. Soyez sans crainte. Un gros million de bisous de Jésus, de tendresse, de chérissement de celui qui est en toi.